Oui, oui, oupinaise, oui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre mini-série sur les Simpsons et la psychiatrie. On a vu ensemble lors de notre premier épisode de quelle maladie pouvait bien souffrir Homer Simpson. Et aujourd'hui, on va se poser la question suivante, mais que se passe-t-il quand notre personnage tente d'arrêter sa consommation ? Pour répondre à cette question, on va regarder ensemble le cycle de Prochaska. C'est un modèle théorique qui montre par quelles étapes va passer une personne pour se sortir d'une addiction. Alors c'est un modèle qui ne reflète pas forcément toute la réalité de la chose, du travail en addiction, avec notamment beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui sur les aspects plus motivationnels, sur la motivation à se sortir de l'addiction. Mais je trouve que c'est quand même un bon moyen de commencer à approcher la question des addictions, justement. Tout d'abord, on va retrouver le stade de pré-contemplation durant laquelle Homer va se dire que, il a aucun souci avec l'alcool, boire lui fait du bien. Je suis Homer, je suis là uniquement parce que le juge m'a obligé. Homer, grâce à notre aide, tu ne toucheras plus jamais une bière. Ensuite arrive la phase de contemplation durant laquelle il va se dire « J'ai peut-être un problème avec l'alcool, je vais commencer à y réfléchir. » Arrive ensuite la détermination « Ok, j'ai un problème, du coup, je vais trouver une solution. » En l'occurrence, lui se dit « Plus de boisson pendant un mois. » Arrive la phase d'action durant laquelle ces décisions qu'on a prises vont se mettre en place et vont ou pas se maintenir dans le temps. Donc avec des difficultés, le besoin d'être aidé par l'entourage, etc. Eh, on dirait que j'ai maigri. T'as jamais été aussi en forme. Je tuerais tout le monde dans cette pièce pour une seule goutte de bière. Sens-toi à l'aise, Homer. Tu peux nous dire tout ce que tu veux. Personne ne te jugera ici. L'autre fois, j'avais tellement envie d'une bière que je suis allé au stade de foot et j'ai léché le sol sous les tribunes. Oh. Je te chasse, suppôt de Satan. Pense pas à la bière, pense pas à la bière, pense pas à la bière. Daf, 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 daf. Arrive enfin le stade de maintenance, une fois qu'on a réussi à accomplir l'action qu'on voulait mener, qu'on a été accompagné pour le faire, etc. À ce stade, il va y avoir une sortie permanente de l'addiction ou des rechutes qui vont réentraîner la passation dans le cycle. 30 jours. Je suis fier de toi, Homer. Je vais chez Mo, envoie les mômes chez le voisin, je vais revenir péter comme un coin. T'es pas obligé de te remettre à boire tout de suite. Je pensais qu'on pourrait faire un tour en vélo. Mais Marge, il y a les piliers de bistrot qui m'attendent. Mo, Barney et l'autre là qui m'appelle toujours Bill. Mais tu as l'air tellement mieux. Tu transpires plus quand tu manges. En plus, t'as économisé une centaine de dollars. Je les ai trouvés dans ton pantalon. À boule. Vas-y, Homer, fais-le pour ton vieux pote, maman. Mais Mo, hier, tu nous as dit qu'Homer, c'était rien qu'un tas de... Montre-le là, sa camière. Aïe. Mais là, au frais, Mo, j'ai rancœur avec ma femme. Pour ce qui est d'Homer Simpson, il va y avoir effectivement de nombreuses rechutes qu'on pourra constater tout au long des épisodes de la série. Et pour cela donc, rien de tel qu'un travail sur la motivation pour l'aider à s'en sortir. C'est tout pour ce deuxième épisode de notre mini-série en espérant qu'il vous ait plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. On se retrouve très vite pour un épisode consacré à Marge Simpson. D'ici là, portez-vous bien, restez chez vous, restez dino et à la prochaine. Salut !